Salut à tous, bienvenue au Journal du Lapin. Cette semaine, je vais vous parler d'un jeu Pippin qui est sorti uniquement sur Pippin, ce qui est assez rare quand même, parce que d'habitude les jeux sont plutôt des hybrides macOS Pippin. Il s'agit de Gakko no Kawaii Uwaza Hanako-san Gakita. En gros, c'est un jeu tiré d'une légende urbaine japonaise. Qui parle d'une fille coincée dans les toilettes d'un lycée, oui, comme dans Harry Potter, un peu sûrement, et qui est ici visiblement un portage d'un jeu PlayStation ou Saturn notamment. Le jeu est sorti d'un, c'est un truc Capcom qui est sorti donc sur 3DO, PlayStation et Saturn en 95, et ensuite sur Pippin en 96. Voilà. Donc là, vous voyez le jeu étant pas chargé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, il n'a rien de spécial, à part le fait qu'il ne fonctionne que sur Pippin. Il n'a pas arrêté de demander. Enfin, la jaquette n'indique pas qu'il demande de la RAM ou autre chose. Donc, voilà. Casque. Les retours audio. Donc il y a la truc qui démarre. C'est de la vidéo en QuickTime, visiblement. Comme il y a eu un animé, notamment, ça doit être sûrement des images que de l'animé. Comme souvent avec la Pippin, les vidéos sont assez petites, parce qu'en fait, la console ne décode pas le MPEG comme certaines autres peuvent le faire avec des cartes dédiées. Donc c'est plutôt décodé que décodé en logiciels qui sont utilisés. Voilà. Ouais. Alors que sur Saturn, on peut avoir une carte de décodage MPEG qui permet d'avoir des jeux assez propres quand elle est présente. Il y a même quelques jeux qui nécessitent la carte. Sur Pippin, c'est plutôt des codecs comme on a vu la semaine dernière, genre quasi image seconde. Voilà. Bon allez, on va essayer le violet. Bon, il y a la présentation, passons. Passons. Comme beaucoup de jeux, ça utilise le trackball. Et là, ça raconte des trucs en japonais. Mais visiblement, je crois que ça a été traduit en anglais par School Mystery ou l'école hantée, un truc dans le genre. Je sais pas si vraiment je vais devoir jouer ou si c'est juste des bouts de vidéo qui se diffusent. Ah voilà. Donc on a une carte pseudo 3D. La manette ne semble. La croix de la manette ne semble rien faire, mais je peux cliquer pour avancer. Ouais.
C'est un FPS par case. Enfin, c'est une vue à première personne, case par case. Je peux visiblement pas ouvrir les portes. Carte. Je sais pas à quoi correspond les trucs merde, donc je suppose que. Donc. Avance pas très vite hein, mon personnage. Ça va même très très bien et ça fait du bien. Il y a visiblement une porte du lycée. Comment je fais? Ah, à la fin, enfin une chauve-souris. D'accord. Une chauve-souris qui arrive. Non. Ok, en fait les points les points verts c'est les endroits où je peux aller, donc je devrais pouvoir me rendre là par l'arrière. Oui, c'est un peu bizarre comme façon de se déplacer. Du coup la carte me montre les endroits où je peux me déplacer, est-ce que je peux y faire. C'est pourtant. Une porte qui s'ouvre. Non. Non. Non, toujours rien. Toujours rien. Ok. Mais en fait, si je double-clique sur un endroit, est-ce que j'y suis téléporté? Non. Un escalier. Non plus. C'est quand même assez vite du coup. Mais a priori, je peux monter sur les escaliers. Voilà, la musique est un peu stressante, enfin bon, comme on pourrait penser. Les animations sont en 3D assez moches. Bon, on va voir ce que je peux rentrer dans l'école. Oui, je suis rentré dans l'école. Parfait. Et il y a un fantôme. Je viens de me rendre compte que je filmais pas avec la bonne caméra, c'est pour ça que l'image était pas top top du coup. Hop. Et on recommence. Ouais, l'image est quand même vachement mieux. Comme je disais, c'était pas la bonne caméra, c'était la caméra de l'écran qui filmait au départ. Et ici, je suis sur une webcam Logitech avec un angle vachement plus large. C'est quand même vachement plus propre. Donc, je suis dans les couloirs de l'école, ok. Alors, avançons un peu. Le côté stressant du truc est finalement pas mal foutu.
C'est franchement vide, mais c'est sympa. Ah, un monstre. Non, bon, d'accord, j'ai pas vraiment eu peur, mais... Serais-je mort? Ça veut dire game over, ça? Honnêtement, le curseur pose un peu de problème quand même parce que de temps en temps il change pas alors qu'il devrait. Donc me revoilà dans les couloirs. Est-ce que je suis sorti où, à l'endroit où j'étais rentré? Pas tout à fait, je pense. Bon, en tout cas, bon, pour une fois, même si c'est franchement un peu vide, au moins j'ai l'impression de savoir à peu près ce que je fais dans un jeu Pippin, ce qui est pas plus mal. C'est pas si mal en fait, le mélange entre la 3D, le contrôle au trackball qui est finalement... Ah, la porte est fermée. Le contrôle au trackball, avec les petites vidéos de temps en temps. Franchement, pour une fois, je me dis, ça doit être un jeu... Ben, je comprends toujours pas le japonais, mais ça doit être un jeu pas si mal dans l'ensemble. C'est plutôt bien fait. Ah, l'objet ressemble à quelque chose. Il se passe un truc quand je pousse dessus, mais je sais pas. Non, je vais pas faire non plus une vidéo trop longue, donc là je suis visiblement dans la bibliothèque. Et je vais pas faire une vidéo trop longue, mais d'ailleurs donc, je vais arrêter là. Mais franchement, c'est plutôt un bon, plutôt une bonne surprise pour un jeu Pippin. Avec Macromedia, forcément. Les vidéos sont correctes, l'animation est bien, et donc là je peux retirer le CD. Du coup, je vais vous dire à la semaine prochaine, à bientôt. La prochaine fois, j'essaierai de tout faire avec la bonne caméra, c'est un peu mieux quand même au niveau de l'image. Pippin. Ciao.